Quelle est la signification profonde de la rencontre avec ma flamme jumelle? L'histoire des flammes jumelles commence loin dans le passé. Il s'agit d'une ancienne légende qui dit que chaque personne dans le monde a un compagnon d'âme, une flamme jumelle. Ce compagnon est appelé l'autre moitié du soi entier et représente la contrepartie de nous-mêmes. On dit que la rencontre avec notre flamme jumelle est l'un des plus grands miracles de la vie. En effet, lorsque l'on se rencontre, les deux âmes se fondent l'une dans l'autre et forment une harmonie parfaite. Cette rencontre est synonyme d'amour intime et de compréhension profonde. Elle nous ouvre également à la croissance et à la maturation spirituelle. En rencontrant notre flamme jumelle, nous faisons l'expérience de la forme la plus profonde d'amour et de connexion. Il ne s'agit pas seulement d'intimité physique, mais aussi d'énergie de liaison et de connexion émotionnelle. La profondeur de nos sentiments crée de nouveaux ponts entre nous et notre âme sœur. Nos cœurs s'ouvrent l'un à l'autre plus que jamais, ce qui nous permet de nous comprendre plus que jamais. Lorsque l'on rencontre sa flamme jumelle, on obtient d'incroyables compréhensions spirituelles qui nous aident à mieux nous comprendre et à progresser sur notre chemin. Au lieu de cela, on peut apprendre à mieux accepter les autres et à leur témoigner plus d'amour. Toutes ces expériences nous permettent de nous enrichir et de nous renforcer spirituellement, ce qui conduit finalement à la liberté personnelle. Il est difficile de décrire avec des mots la signification de la rencontre avec la flamme jumelle, c'est incroyablement magique. Cela signifie la liberté des chaînes de l'ego, cela signifie aussi un amour intime et une compréhension profonde de l'autre. Cela nous aide à atteindre de nouveaux niveaux de spiritualité et à évoluer sur le chemin de la croissance de soi. Grâce à la rencontre, nous pouvons apprendre à nous aimer plus profondément et ainsi atteindre la liberté totale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.